Et on va lire ensemble Luc chapitre 16, Luc chapitre 16 à partir du verset 9. Et puis on va se rasseoir juste après. Non, pardon, on va lire à partir du verset 10. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses, confiera les véritables. Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Aujourd'hui, on va s'attarder sur la fidélité dans les moindres choses. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Être fidèle à ce qui appartient à autrui, c'est donner aux gens ce que tu leur dois. Tu dois, Marie de la Bible, Marie aime ta femme, comme que c'est comme une dette. Et tu es fidèle à ça. Ceux à qui tu dois le respect, faut être fidèle à ça. Cette attitude-là, de respecter et de donner aux gens, pas les choses par rapport à ce que tu as envie. Si tu rencontres une personne, tu dois la saluer par respect. Tu lui dois ça. Mais si tu dis non, au Dieu, je suis de mauvaise humeur, je ne le fais pas. Tu vois, tu es infidèle à ce qui appartient à autrui. Mais toi, tu as décidé de donner respect aux gens. Fais-le toujours. Tu n'es pas fidèle à cause de la personne. Tu es fidèle parce que ce sont des principes de vie pour toi. Cette manière de faire va t'envoyer très loin dans la vie. Ne changez pas vos attitudes en fonction du comportement des personnes. Il y a des valeurs intrinsèques que vous devez avoir qui ne doivent pas bouger. C'est ce qu'on appelle fidélité, c'est avoir une chose et puis la conserver, quelles que soient les circonstances. Donc, le fait que ce serviteur-là soit passé de 5 talents initiaux pour avoir 5 autres talents, Jésus qualifie cela de fidélité dans les petites choses. L'augmentation de ses talents de 5 à 10, Jésus l'appelle, Jésus dit que c'est ça là que j'appelle la fidélité dans les petites choses. Il dit, tu as été fidèle parce que tu as développé le potentiel que je t'ai donné, je te donne de plus grandes choses. Et puis il dit, je te fais entrer dans la joie de ton maître. Donc le dernier serviteur qui a reçu un talent, Dieu dit qu'il n'a pas été fidèle. C'est un serviteur infidèle. Il n'a pas trahi son patron. Il est fidèle à autrui. Par contre, il n'est pas fidèle dans les petites choses. Pourquoi? Parce que le talent qu'il avait, il ne l'a pas développé. Et Dieu dit que quand quelqu'un multiplie, quand quelqu'un valorise, quand quelqu'un augmente ce que Dieu lui a donné initialement, Dieu s'apprête à lui donner beaucoup de choses. Écoute, si tes finances ne grandissent pas, il faut te poser une question. Il est fort probable que tu sois infidèle dans les moindres choses. Comme tu es fidèle dans la prière, tu penses que tu es fidèle. Mais tu es fidèle à la prière, mais tu n'es pas fidèle dans les petites choses. C'est la raison pour laquelle tes finances n'augmentent pas. Dans la vie, tout ce qui est bien doit augmenter. Si Dieu ne te confie pas plus de ressources, Dieu ne te confie pas plus de responsabilités, ne te plains pas chez les autres. Le problème vient de toi. Le problème vient de quelque chose qui se passe en toi. Il faut que tu aies l'humilité de mettre le doigt là-dessus pour permettre à Dieu de résoudre le problème. Tout ce qui est augmentation, tout ce qui est une bonne augmentation, c'est-à-dire il y a des mauvaises augmentations, amen. Tout ce qui est bonne augmentation est provoqué par la fidélité. Dieu trouve la fidélité et puis Dieu dit, je t'augmente. Toute personne que vous voyez qui est augmente, c'est-à-dire que sans avoir été fidèle, elle ne restera pas longtemps dans cette position. Il a remis à un deux talents, ça veut dire deux capacités, deux choses dans lesquelles la personne est talentueuse. Et à un, il a remis un talent, une chose dans laquelle cette personne est talentueuse. Alors quand il revient, il s'attend à ce que le talent qu'il t'a remis ait été fructifié. Si Dieu t'a donné par exemple le talent de savoir chanter, Dieu s'attend à son retour, être fidèle, c'est que tu as augmenté ce don. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alléluia. Tout talent que Dieu te donne doit être augmenté. Ne cours pas d'abord après l'argent. Cherche à déployer et à développer les capacités, les aptitudes qu'il a mis en toi. Je suis dans la 9e discipline. Faire disparaître les mauvaises pensées qui rendent les gens infidèles. La mauvaise pensée qui rend les gens, les personnes qui ne développent pas leurs dons, c'est parce qu'ils se disent que Dieu n'a pas besoin de leur intervention. Ça fait 5 ans que tu es au même niveau de revenus. Le ciel, les anges te regardent. On dirait augmente. Tu dis, mais ce n'est pas de ma faute. Arrêtez de tenir les gens responsables de votre misère. C'est parce que mon parent ne m'a pas aidé. C'est parce que mon frère... Il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Il faut te discipliner à ne jamais tenir les autres responsables. Assume. Et puis fais avancer le travail. Donc corrige l'image que tu as de Dieu. Si tu crois que jusqu'à présent, Dieu a bloqué ta vie, que les démons ont bloqué ta vie, que ce sont les sorciers qui t'empêchent d'aller de l'avant, change cette image-là. Ce n'est pas vrai. Quand tu vas finir de tuer tous les sorciers, tu risques de rester à la même place. Oui, c'est la somme. Il faut massacrer la sorcellerie, il faut détruire les pouvoirs des sorciers. Mais tenir les sorciers responsables de votre pauvreté, c'est de la paresse. Pourquoi? C'est les sorciers, c'est dans le village. Tout ça, c'est une fuite de responsabilité. Maître, tu fais ce que tu veux. Dieu, si tu m'avais délivré des sorciers, je serais là. Il y a trop de... Arrête ça. Mets-toi au travail.
Après, on demande au serviteur, pourquoi tu n'as pas développé ton talent? Il dit, j'ai eu peur. Tu dois vaincre la peur au nom de Jésus. La peur, c'est quoi? C'est ce sentiment d'échec, la peur que ça ne marche pas. C'est ce sentiment-là, d'effroi qu'on a en se disant que ça va marcher, qu'on peut perdre la vie. Cette émotion-là, elle détruit vos dons, détruit vos talents. Il faut vaincre la peur. Pourquoi certains ne développent pas leurs talents? Parce qu'ils ont peur d'échouer. Mais il faut oser. Il faut avoir de l'audace. Il faut prendre du risque. Il faut prendre du risque, pas au hasard, mais sous la pulsion de votre don, sous la pulsion du Saint-Esprit. Il faut prendre des risques. Il y a certains risques. Je ne peux pas te dire que tout va marcher. C'est cette mentalité-là qu'il faut que tu aies. C'est-à-dire, on ne reste pas figé sur des échecs. On va de l'avant. On prend un échec pour se réadapter, pour se réinventer. Si vous voulez développer le don que Dieu vous a donné, vous devez apprendre que les gens ne l'apprécient pas. Alors comment on fait ça? C'est-à-dire dans votre... La foi, ce n'est pas de faire comme si on n'a pas du tout peur. C'est de marcher sur la peur. Il faut écraser tes peurs. Il faut les affronter. Un travailleur relève toujours les défis. Peu importe les obstacles. Mais déjà, il faut être fidèle dans les petites choses. Améliorer tout ce que j'ai. Ne pas laisser la peur, la honte, la paresse, la méchanceté paralyser votre don. Il faut l'exprimer tel qu'il est. Que la faveur de Dieu soit avec toi. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci Seigneur. Sois fidèle.